Non, non, non. Non, calmez, calmez. Non, non, non. Ça ne va pas continuer comme ça, quand même. Ça ne peut pas se passer comme ça. Hein? Depuis que Gondwana, c'est le seul président là qu'on connaît. Hein? Depuis nos ancêtres, nos aïeux, nos grands-parents, nos parents, jusqu'à nous-mêmes, peut-être les enfants de nos enfants, des enfants, des enfants, des enfants, il sera encore là. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quand même. C'est lui seul qui est intelligent, mais c'est nous, on est bêtes. Non, ça peut pas continuer comme ça. Et puis les trois qui sont à côté de lui aussi doivent partir. Ou bien? Alors, ces trois-là, et quand tu prends le premier, Gohou, là, quand tu le vois là, il n'est pas de taille. Quand même. Même la fille qui est au milieu là, elle là aussi là, chaque jour on dit son mari est général, son mari, c'est faux. Son mari est vigile. Quand même. Non, ça ne peut pas continuer. C'est qu'en général, chaque jour on insulte sa femme ici, Yuka, il ne vient jamais. C'est parce qu'il est vigile. Alors, mais lui qui est à côté là aussi là, c'est sa femme là qui trompe, sinon il ne fait pas le poids. Quand même. Quand même. Non. Ça peut pas continuer comme ça quand même. Hein? Il est là, c'est sa femme qui trompe, il ne fait pas le poids. Ses paroles, ses attachements là seulement, il connaît. Sinon, si tu lui as donné quelque chose là, sa parole va changer. Et les gars, excusez-moi, on est au Gondwana. Quand il parle comme ça d'un aîné, il faut aller le voir, il faut le prévenir d'abord. Pardon, viens pas, excuse-moi. Tout ce qu'il a dit, c'est théâtre. Pardon, prends ça, tu vas faire recharge. Non. Viens, pardon, pour. Non, c'est bon. Tu es un grand frère. Non, ça va. Bon, d'accord, prends. Ça va, petit. Faut pas faire ça. C'est ça. On est au Gondwana, il faut voir les grands frères à côté. Il faut les voir et puis ils changent, ils font à Talakou. Mais ça, la vraie, ça ne peut pas nous distraire. Le président, il doit partir. C'est pas vrai, il doit partir, non? On est fatigué de ce président marmailleur. À bas le président marmailleur. À bas le vice-président couvert de route. Je suis candidat. Président magnifique. Président magnifique. Pardon, c'est le président qui t'a envoyé. Non, tout monsieur. Tout ce qui est fait là, c'est amusement. Monsieur, calmez-vous. C'est pas escadron de non, la vie. Non. Je suis pas encore habillé. Ah, je suis monsieur Jacques Claclo. Je suis journaliste à Kabato FM. Oh, mais c'est la femme qui dit vite que tu es journaliste. Non, n'ayez pas peur. Nous avons appris que vous êtes candidat. Oui. Aux prochaines élections. Oui. Et nous sommes là pour une interview. D'accord. Il faut interviewer. D'accord. Monsieur Magnifique, oui. Est-ce que vous représentez un parti politique ou bien vous êtes candidat indépendant? Quand toi tu réalises, là, on peut avoir indépendant ici. Je suis obligé de créer mon parti. Créer mon parti ici. Mon parti s'appelle le PIR. Le quoi? Le PIR. Ah, les Gondwanais ont tout vécu ici. C'est le PIR seulement qui les reste. Attends. On va aller envoyer le PIR pour les soulager. Ouais. Bon, mais le PIR, c'est pas un nom... Le PIR, ça veut dire Parti International du Rire. Ok. D'accord. Ok, j'ai compris. Est-ce que le PIR a un slogan? Est-ce que vous avez des couleurs? Bon, au PIR, on a un slogan, c'est normal. Et notre slogan est fort. Ah bon, d'accord. Oui, le slogan au PIR, c'est tôt ou tard, le PIR va vous arriver. À nous, à tout le monde? Ça va arriver. Et les couleurs? Bon, les couleurs, notre drapeau, on a beaucoup de couleurs. Mm-hmm. On a vert froissé, jaune amer, noir funéraille, marron dessus. Bon, d'accord. Violet mougou. Oui, merci. Est-ce que, en tant que candidat, vous avez un projet pour les femmes, pour les jeunes? Quels sont vos projets? Les femmes ou les jeunes? Non, les femmes. Et puis je parle de bon, les femmes, et puis les jeunes, femme. Voilà. Femmes. Bon, si nous on vient aux affaires, les femmes, ne vous inquiétez pas. Voilà. Nous on va réduire la durée de grossesse de 9 mois à 2 mois.
Attends. Soyons sérieux. Pourquoi? C'est parce que ça dure devant elles qu'elles sont pressées pour enlever. Sinon, si le temps est court, là, chap, chap, deux mois, elles peuvent faire escalier comme ça. Ah, d'accord. Voilà. D'accord. Et pour les jeunes? Bon, pour les jeunes, là, on nous regarde. Pour les jeunes, là, on a remarqué au Gondwana ici que les jeunes, les enfants du Gondwana ne maîtrisent pas l'hymne national. Ce n'est pas normal. Même quand l'équipe nationale du Gondwana joue, on chante l'hymne national, ça remue l'herbe sur ma... C'est faux, ils ne connaissent pas les paroles. D'accord. Donc quand nous, on sera au pouvoir, bon, on va faire le clip de l'hymne national, quoi. Ah, on va faire ça en, oui, on va faire un featuring à Safarel. D'accord. Ils vont mettre un peu de roucascas, et puis Zota va faire le ballet. D'accord. Et puis ça va passer sur les grandes chaînes. Là, tous les enfants de Gondwana vont maîtriser ça par cœur. Parce que les enfants de maintenant, là, connaissent tout le programme de télévision par cœur, sauf leur cahier de leçons. Ok. D'accord. Merci d'avoir répondu à notre question, monsieur, à nos questions. Merci. Je vais vous laisser en campagne. Oui. Continuez la campagne si vous vivez jusqu'aux élections. Toi aussi, merci pour ta courtoisie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je suis candidat, mais avant de partir, j'ai une question pour vous. Excusez-moi, hein. Un chien et puis mécanicien, qui aime se coucher en bas de voiture? Pardon.